Mesdames, mademoiselles et messieurs, comment nous y est? Je commence l'émission ça encore pour me dire encore une fois bonne année à toute équipe ici télévision, bonne année à toute notre chaîne télévision, dans tout le monde qui a passé Boss Ben Show, et nous vous remercie. Je vous dis, nous avons une émission tout à fait spéciale, pour me dire que nous avons un studio qui est le Collabo Studio qui est dans Orlando, et ensuite nous avons AK Ego Studio, et pas oublier que vous avez CMS Multiservice, vous adresse c'est 68 85 dans West Colonial Drive, si toutefois vous avez passé, vous avez un numéro de téléphone, ça 407-601-40-08. Non pas M. JMG Benz, Boss Benz. Je vous dis, je suis content pour me rentrer la caille pour me présenter l'émission ça. Et nous avons remercié à King Friends, artiste qui passe ouais nous, qui Orlando qui passe ouais nous dans le studio. Et manager Tikeni, nous saluons et nous saluons Konya et Pechabi. Je ne sais pas si c'est Audison Velda. On va dire qu'il a Audison Delva. Si qu'il a, mais je ne sais pas si c'est Pechabi. Mais en tout cas, c'est à faire pam. Et hier soir, nous avons passé un petit moment ensemble. Baka Boke nous a dit manager et fin avec Pechabi. Je ne sais pas si Pechabi est fin avec ou soit Ovidson Delval est fin avec. Ou même qui a regardé nous à Montréal, nous avons dit que nous ne connaissons pas facile parce que nous connaissons un couvre-feu. Nous connaissons des choses difficiles. Pas oublier que nous prenons toutes dispositions pour ne pas prendre Corona. Coronavirus, là, nous ne prenons pas Bali. Nous avons vite été branchés parce que nous prenons une belle émission avec Franz Benjamin, qui sont jeunes haïtiens. Qui député Kounia, on est qui sorti en Haïti, il va expliquer une histoire le côté il sorti. S'il fait au café tout. Hey, ou raconter sous bout combien haïtien qui député dans pays Canada. Voilà pourquoi je vous dis son ex son modèle jeunesse en lien son fierté. Restez branché, n'a tourner après pause là. Oh yeah, oh yeah. Garde qui ça bon Dieu mon café. C'est pour la vie me faire gros et pas. Au nom de Jésus, faut me camper. C'est pour me témoigner, pour m'étonner, pour pas jouer un mot, pour m'exprimer. Méga vision, méga impact, méga onction, méga église, méga évangélisation pour un méga Jésus. Complexe CEUM, le temps est venu de vivre une prophétie des 10 dernières années. C'est l'heure de l'expansion surnaturelle. Dès avril 2021, vous serez en mesure de suivre votre église en direct à la télévision. Tous les dimanches, 10h30 AM et les mercredis 7h30 AM sur ICI Télévision. Le nom de l'émission? Vision, Passion, Action. Le pasteur Bissi interpelle l'Église à la prière pour cette nouvelle étape de la vision. Ensemble, avançons le royaume de Dieu.
redemption. Yeah, I live my own action. Boss pension, I redemption. Yeah, no one knows toujours show. Yeah. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comment nous est-ce que je vous dis, je suis content pour me rentrer la caillou, pour me présenter l'émission ça encore. J'en ai annoncé dans le commencement de l'émission ça. Nous avons bien avec nous un petit Haïti, un modèle, comme nous toujours dit, haïtien, besoin de modèle ça. Et il faut me dire que nous, Orlando, nous dans le studio Collabo, studio, et ensuite nous dans Akaego studio, ou même qui a regardé là, et nous félicité tout jeune garçon ça qui prend initiative pour porter l'autre bagaille dans la communauté ça. Nous avons avec nous député M. Franz Benjamin. Député, comment est-ce que nous en forme, Boss Benz, nous saluons tout le monde qui a regardé l'émission ça aujourd'hui. Nous souhaitons nous toute bonne année. Qu'on est que c'est une année difficile pour tout le monde, mais nous souhaitons tout le monde bonne année, en pile santé. C'est santé nous besoin avant toute chose, et puis nous besoin de succès tout, dans tout ça, nous avons tout prendre. Et nous profiter ou même Boss Benz, saluer le travail. Nous souhaitons bonne année, en pile succès, et puis en pile bonheur autour de vous, parce que nous avons un succès, mais nous sommes heureux tout autour de nous. Nous vous remercions, député, pour ce soir et nous même tout nous disons bonne année et nous souhaitons que pour toujours continuer à inspirer la jeunesse parce que un jeune garçon comme ça qui sortit en Haïti, je veux dire, on sont monument pour nous-mêmes jeunes garçons parce que surtout que des fois, yo qu'on a montré nous l'autre bagaille qui est négatif et au même je veux dire et dans Saint-Michel là, on fait fierté Saint-Michel là, sincèrement de tout cœur, m'abdou mon cher et si ma monta là, on va prendre ça, t'as fier de haut, on connait aimé ça. En tout cas, frère, on t'a remis un petit rappel pour monde qui a regardé aux États-Unis, même monde qui a regardé Montréal et vous dites mon yo comment tu commencé, je veux dire, on arrivé député. Pas là avec nous. Ben en fait, comment j'ai commencé, je quitte Haïti quand même assez jeune, pour qu'on finisse études secondaires, moi, donc adolescent, donc avec famille, moi, donc frère, soeur, maman, papa, nous établis au Canada définitivement, mais nous avons séjourné pendant presque 2 ans aux États-Unis, donc avant de migrer de manière définitive à Montréal. Et Montréal, j'ai complété études secondaires à Montréal, j'ai complété études collégiales, j'ai études universitaires, tout. Et j'ai une vie professionnelle quand même qui était assez chargée, dans la mesure que je travaille pendant près de 12 ans à l'intérieur du gouvernement du Québec, m'étudier principalement en communication, en littérature, même faire des études en administration publique, tout. Donc, et je travaille pendant 12 ans dans la fonction publique québécoise, mais parallèlement, à engagement à travers moi, j'étais toujours engagé socialement comme jeune citoyen. C'est comme jeune que j'ai commencé à impliquer dans le quartier, dans la communauté, moi, dans la communauté haïtienne, entre autres, par rapport à plusieurs enjeux. C'est-à-dire que ce soit par rapport à des enjeux comme, par exemple, la lutte contre le racisme, comme la présence de la diversité, la représentation de la diversité au sein des institutions publiques. Et donc, tranquillement, donc, ils ont sollicité mon premier temps comme jeune candidat aux élections scolaires. Donc, il me fait 3 mandats comme commissaire scolaire. Ensuite, il a été sollicité mon première fois, me rappeler comme candidat aux élections municipales. J'avais décliné parce qu'à l'époque, je venais tout juste d'être papa. Et souvent, on me toujours dit que dans tout titre que je gagne dans la vie, le titre que je préférais, c'est titre papa que je préférais. Et pour petit moyen, pas un sacrifice qui est trop grand que je ne fais. Nous avons dit pour qui ça, parce que peut-être ton papa captain de là, il n'a pas pour responsabilité, et pour vous-même, vous préférez petit papa. Expliquez-le, puis inspirez-le, petit tout là, peut-être qu'il y a un cadeau là qu'on y a. Je pense que le plus gros cadeau qu'un monde capable de gagner dans la ville, qui est tout garçon, qui est tout fille, c'est une chance pour une papa ou une chance pour une maman. Et je crois que le petit monde fait, petit monde, c'est un trésor, et que nous supposons chérir, c'est une responsabilité immense que bien. Et responsabilité, ça a commandé qu'en pile sacrifice, en pile abnégation. Et des fois, en pile fois, et souvent c'est filles qui vivent là, par exemple, en pile filles qui privent eux d'une carrière professionnelle pour élever petit yo. Je crois que garçons et tout, son responsabilité, papa ou gagné. Et je souhaitais que papa nous ait engagé davantage, prend plus responsabilité dans l'éducation de Timonio. Parce que Timon a besoin maman, mais elle a besoin papa le tout. Et je crois que dans ce sens-là, moi, j'ai une chance. Ce n'est pas mon chance, ce n'est pas un droit que lié pour mon maman, papa, mais c'est plutôt un privilège que lié. Lorsque j'ai un privilège ça pour maman ou bien pour papa, je crois que son bagage ou pas doué lésine avec lui. Donc, dans ce sens-là, j'ai un privilège ça 2 fois, puisque j'ai 2 petites. Donc, et dans ce sens-là, pour moi, et pas que j'aime me sentir plus fier. Il y a déjà eu monsieur le commissaire, il y a eu monsieur le conseiller, il y a eu monsieur le député, il y a eu monsieur le président, etc. Mais
l'aime senti me plus content c'est le il y en a deux petites moi après les papa donc ça me senti que vraiment son bail qui trouve une chercher me qui rend moi ému parce que nous toujours dit tête moi chaque fois me regarder deux créatures ça je dis à deux petites filles qui en a eux c'est une grande dame elle a 25 ans gain un deuxième qui plus jeune sont adolescentes que lié et vraiment me trouver son cadeau immense que la vie que bon Dieu bon moi que j'ai pour une chance gain de gain petite parce que gain monde qui t'a aimé gain petite qui pas capable et monde qui gain chance gain lio que ce soit comme papa comme maman moi quoi que surtout papa yo me souhaiter que papa yo prend plus responsabilité dans éducation dans dans l'élevation j'en ai dit timon yo je dis hein, où t'es rentré au Canada ou rentré Montréal et où t'es rentré avec tes parents ou... Et là, tu fais rentrer. C'est sûr que, bah, il n'y a pas de facile même. Ouais. Est-ce que, expliquez-nous comment ça a été. Parce que je ne dis pas aux députés, et il y a peut-être un jeune qui fait rentrer Montréal, l'a regardé en haut, parce que moi, l'aime te faire rentrer Montréal. Là, je prends le métro, je ne vais pas dire ça, métro Rosemont, je vais à l'avenue du Parc. Mon cher, je me dis, comment moun nous fait rencontrer moun? Comment moun nous fait parler avec moun? Et je vous dis, bon Dieu, permettez-moi de faire un show dans la télévision, je ne comprends pas ça, même pas de bon moun qui te jeté avec pour te dire, hey, si vous faites, nous faisons tout. Je vous dis, expliquez-moi comment ça a été, parce que l'homme garde, je vous dis, moi, j'ai plusieurs interventions faites, ou quand vous êtes dans la chambre, et pour pouvoir parler, et puis avec fierté, ou vous dites, ça veut dire, expliquez-moi, quand vous avez une inspiration, ça, yo, parce que vous n'avez pas de bon moun vraiment qui te. Bon, c'est sûr que l'homme fait venir, je ne sais pas qu'on est dans la période ça, l'homme fait venir jeune. Adolescent, pas de gros monde qui était Franz Benjamin, je ne veux dire, n'importe qui qui est petit, qui a dit, hey, si Franz Benjamin fait, ou quand même vous venez faire tout, mais pas de modèle, ou te fait rentrer au monde comme ça. Expliquez-nous comment ça te fait. Je crois que dans la vie, et puis c'est un bagage pour chaque monde, pas oublier. Dans la vie, au monde, où soyez de par objectif ou de par rêve ou de par caractère ou personnalité ou, mais tout, où soyez de par monde, qui type de monde qui est autour de vous. C'est sûr que là, on moun autour de vous, sont réunis des mouns qui sont négatifs, des mouns qui sont toujours ralos derrière, des mouns qui ne parlent pas pour bon conseil. Et c'est une prise, pour moi, utiliser un langage baseball, c'est un strike qu'on gagne contre vous à ce moment-là. Donc, il est important que l'on ait une bonne volonté, l'on ait une bonne idée, mais pour réunir autour de vous des mouns qui sont capables d'accompagner et d'aller plus devant. Et moi, je crois que j'ai une chance ça, à part de rêve moins, à part de potentiel moins, à part de capacité moins. Même quoi que, premièrement, je suis un papa avec un maman extraordinaire. Quoi que l'homme rivé ici, papa, par exemple, qui sont entrepreneurs de la construction, il a dû recommencer à zéro. Et puis, j'ai vu mon père recommencer. C'est-à-dire que papa, c'est un entrepreneur de la construction qui avait pas mal de succès comme entrepreneur. Et maman, c'est un commerçant de qualité. J'ai vu ma mère recommencer à zéro. Donc, c'est clair que c'est des bagailles qui frappaient, qui fouettaient orgueil. Qui dit que ou gen chance pour arriver plus jeune dans le pays, côté par exemple, gen pile potent possibilité que m'a vive dans société, côté par exemple, l'instruction publique est gratuite jusqu'à 16 ans. Et m'kwè que souvent, l'aime rencontrer des jeunes d'origine immigrante, pas seulement de la communauté haïtienne, toujours rappelé yo, que gen des défis dans société, gen difficultés, gen barrières, gen obstacles, c'est clair. Mais gen des possibilités tout, et possibilités yo, nous devons utiliser yo dans l'intérêt nous. Pour nous réussir, mais pas pour nous camper sous obstacle. Moi-même, toujours, je dis que je suis là pour me dénoncer, même pas là seulement pour me dénoncer. Je suis là tout pour m'agir, pour mon acteur du changement, tout, pour mon acteur, pour m'aider l'autre à avancer. Tout. C'est important de dénoncer les injustices, mais on ne peut pas s'arrêter à la dénonciation des injustices. Il faut que nous posions des gestes au quotidien, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit autour de nous, pour nous avancer. Député, il faut me dire que normalement, si ça ne dérange pas, nous tapons une petite pause et puis nous tapons tourner dans l'autre partie de l'émission avant. Avec plaisir, mon cher. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il faut me dire que aujourd'hui, nous en direct là avec député Franz Benjamin, il y a un modèle. L'un des modèles jeunesse, là, c'est Jean de Mounsouk modèle. C'est parce que c'est Jean de Mounsouk qui sortit un côté et puis ils vont l'autre côté. Et je me dis toujours, si on fait, nous avons fait tout. Même qui a attendu la jeune fille, jeune garçon, si Franz Benjamin est venu député, il passe tout. Bah, ça yo, c'est sûr que les questions que je me pose des fois, les autres l'école, est-ce qu'ils sont toujours venus manger? Parce que même si vous ne connaissez pas, c'est facile. Je vais retourner dans l'autre partie de l'émission, ça, donc il y a un problème. Et député, est-ce que vous voulez avoir une question ça? Les autres l'école, des fois, est-ce que tout le bagage était toujours venu ou toujours qui est en or dans le bouchon? Non, nous ne parlons pas de venir qui est en or, au contraire, nous lever côté
papa très tôt, maman m'apprend nous que il faut travailler à la sueur de son front. Et le pain, pour pain en vin sous table là, faut gon effort qu'il fait. Et dans ce sens ça, me rappeler, m'étais encore en Haïti, m'étais probablement 10 ans, tout petit monde sous quartier là quand même a crié, moi-même tout m'a crié, m'a dit papa, écoute nous voulons le gars de carnaval, c'était pour carnaval, nous voulons le gars de carnaval. Et me songe papa me le ça. Papa me dit non, on va mener nous à carnaval, m'a fait mieux. Papa me prend moi-même avec frère non et puis monsieur mener nous sur un monsieur tenait plusieurs chantiers de construction. Monsieur mener nous sur un chantier de construction lio. Monsieur dit il y en a contre météo. Mais une botte de nex ça baou. Fais nèg au travail moi, pas faire au travail toi du non, mais faire au travail. Mm-hmm. Et après monsieur fait nous faire deux jours carnaval après aller à le passer ça à la à etc. Et après deux jours, monsieur relé nous, monsieur dit nous, monsieur ba nous chaque, me rappeler me laisse ça monsieur ba nous chaque, moi-même avec frère nous, monsieur ba nous chaque 15 goud. Donc wow. 3 billets 5 goud. Monsieur dit mais fruit deux jours travail, c'est ton paquet de cob à l'époque. Monsieur dit mais fruit deux jours travail noir. Jodia, tout petit monde dans la joute le gars carnaval, il pas gain comme ça dans poche. Donc voilà, l'eau passé ton travail, au lieu de passer ton prendre plaisir, mais qui ça. En fait, m'pas gain contre carnaval. Mais c'est simplement pour me rappeler que je suis dans le carnaval là, tu as le plaisir, on va jouer de l'argent, c'est ça. Madame jeune comme là, on va même. Et c'est ça pas ça que je expliquer nous ça. Ou fait choix, soit le prendre plaisir, soit le choix comme c'est l'argent, comprendre. Ah oui, absolument. Et moi que Jodia c'est encore une vérité, Jodia encore. Les m'a regarder me rencontrer en pile jeune, m'a dit oh, bon balance puis au fait entre le temps que vous consacrez pour étudier, puis au travail dû. Avec temps prend plaisir. Moi-même tout, moi-même tant de musique, moi-même théâtre, moi-même gon activité culturelle, moi-même. Et voilà, c'est ça que je devais aller dans pause parce que je devais aller dans l'autre partie ça parce que n'a fait émission en trois parties. Et dernière partie en parlant que dans coronavirus, mais bon tout prend pause à nous. D'accord, on prend pause. Oui, mesdames et messieurs, l'abdouké, on va aller en pause et ouais petit garçon ça, c'est l'autre des fois haïtien l'autre jouer et puis c'est tout. Rilel, hey Friends, on lui a dit au parent, dit hey Prince Benjamin, il est là, il est le conseil, il est le député, il est le mec qui fait effort dans la ville, il est le modèle jeunesse là. Il était broché, n'a pas tourné. Société pas jamais besoin qu'on qu'un boutaille, misère passée. Y'a pas jamais vos questions qui j'en fait arriver. Mais après tant pour un sort côté pour y'a qu'à bénéficier. Ce résultat en bas est là seulement qui compte. Mais quel que soit où tu prends, Zami m'a dit franchement pas important. Réalité, depuis on nous ici, honnêteté ou pas, mais quoi va jouer nous avant. De retour après la pause, mesdames et messieurs, moi-même Boss Benz, moi aimer genre d'interview ça yo. Là on monte sur ton côté, là on monte qui gon histoire. Mon ami qui avait venu pause Florida, Carlos dit pas quatre choses au monde, sur pas gon story, sur pas gon histoire. Si on est dormi pauvre levé riche, bah ça, n'est pas bon du tout. Voilà pourquoi que nous on gagne avec nous député Franz Benjamin, faut me dire que nous dans studio collabo studio qui dans Orlando et à
Akago Studio. En tout cas, vous connaissez pas une fois dans bail, monsieur était toujours invité là pour une bonne love là. Député, normalement, et m'a dit merci pour temps, on connaît temps, c'est bagage qui précieux et m'a dit merci d'est-ce que vous prend temps pour inspirer jeunesse là parce que il y a des monde qui ont connait après le député, il pense que tu as député tout mais pas compte qui misère au t'est passé. En dehors de tout ça, nous dit la député, me connaît que ou même ou l'autre passion, me connaît son nèg qui aime chanter, me songe l'aime fait venir Canada avec Jean-Christophe. Bagage l'autre où tu as joué tambour, là ça bon pas bah non, t'as l'air au moins 10 ans, ou aimer jouer petit tambour. Parlez-nous de qui sont remets, à part de l'autre bagaille, ça y est. Ah, mais c'est sûr que j'ai un pile bagaille que moi même. En premier lieu, écrit, puisque j'ai publié déjà plusieurs livres, et d'ailleurs, en janvier, non, moi ça, d'ailleurs, dans quelques semaines, donc, prochain recueil, moi, sorti, donc, qui c'est Nuit des Anses Pleines, aux éditions Mémoire d'un Crier. Donc, depuis quelques années, je publiais quand même régulièrement, je participais à plusieurs anthologies. Je participais et tout avec d'autres camarades et artistes, donc dans le cadre des initiatives culturelles, parce que moi, j'étais quoi que culture, c'est un bagage important. L'homme, on vit culture pleinement, il permet de constituer l'identité, renforcer la personnalité, mais l'homme, ou bon pratique culturelle. Que ce soit ou jouer musique, ou faire peinture, ou écrire, ou danser, peu importe ça lié, ou jouer théâtre, ou faire cinéma. Pratique culturelle, yo, aider à une forme d'équilibre dans la vie. Alors, moi-même, son monde toujours chercher équilibre, et équilibre, ça, c'est pratique culturelle, moi, qui peut mettre moi joindre, notamment l'écriture. Notamment l'écriture, mais c'est vrai, me collaborer avec plusieurs artistes, et notamment des artistes de la chanson. Député, je t'ai aimé, ou dit, je t'ai inspiré au monde. Pour t'a dit, yon bagay, ki yon moun te fort, ki te di ou pour t'empêcher ou moun gyoria, ki te fort mal en pile, et ki te pousso. Et puis yon l'autre bagay, ko pap jambli ou te tellement content, à part de petit, yon m'kono val valim de papa, nous kon ça. Yon l'autre bagay, ko pap jambli ou nan vie ou. Dans mes deux extrêmes. Bon, alors, m'songe, m'te Canado, et puis adolescent, et puis m'te font des ordres, et puis yon te voye tourner la caille, et puis je te dis pour me venir avec parents, mais puis me songer, je me tourne avec papa. Papa me tourne avec, et puis na le côté préfère discipline. Non, il dit papa, me conseille avec lui. Il dit, mais écoutez, monsieur Benjamin, votre garçon, il travaille très bien à l'école. Les notes sont excellentes, mais malheureusement, c'est la vie, monsieur, à terre. Monsieur, pas prendre en ville. Wow. Parce que monsieur, c'est tambour seulement, monsieur, à battre. C'est carnaval. C'est rare, je suis dans l'école. Mais depuis, tu es bourré, mais maintenant, moi, vrai, je dis ça. Monsieur, c'est musique que je suis fait dans la classe. Je suis empêché l'école de fonctionner. Et je me rappelais, ça, c'était mon père était sous le choc. C'est-à-dire que le OVO, il cherche comme parent, puis il a dit de petit tout, que malgré petit tout, il a une bonne note. Mais le papa est en ville, donc son père qui était toujours frappé, au point où, lors de ma prestation de serment à l'Assemblée nationale, mon père était là. Wow. Et puis, me rappeler papa, me dit papa, moi, j'étais le bagaille. Et puis, après prestation de serment, on a été manger ensemble, etc. Et puis, il me dit papa, est-ce que j'étais l'épisode? Papa me dit, mais oui, moi, j'étais. Et puis, parce que faut me dire ça, après, l'homme finit de rencontrer le préfet, et. Papa me passait mes sous moi. Donc papa me dit bon, j'ai reçu une bonne fessée. J'ai reçu une bonne fessée. Nous on parle ici on pas dans jouer à ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui, absolument. On joue pas. Et, ça, hein. Bon, moi-même personnellement ça correction. Oui, voilà. Moi personnellement, j'ai fait le choix comme papa, comme parent de ne pas avoir cette pratique là parce que je me considérais que j'ai l'autre moyen pour me gérer éducation petite moi que dans Balkal dans Kalil. Bon. Alors, pas quoi dans ça, donc, parce que, par exemple, pas de calme en pile, je prends peut-être 3-4 cales là, quand même, pour des désordres graves que je fais. Donc, et notamment ce jour-là, je me songe ça, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, je me suis dit, mon 2-3 coups, on règle convenablement, au moment. Et puis, je me passe toute une soirée à crier. Et donc, ils sont écrits dans la tête, moi, mais pas de manière positive, mais plutôt vraiment de manière négative, parce que, mais si mais que ça préfère te dire ça dans le Canada, c'est ton bail, parce qu'il était grave, ou pas dire un petit monde ça. Moi, je dis, aucun enseignant n'a pas le droit de dire un petit monde, ou pas prendre un envie. Bon, malheureusement, heureusement, je ne suis pas arrêté à ça. Donc, la suite des choses,
l'avenir allait complètement démentir ce gars-là, mais c'est pas une bonne chose à dire à un enfant. C'est-à-dire que des fois, par même des fois comme nous qu'on a traité petite nous, il y en a même dit parents, t'as même rappelé parents. C'est pas seulement l'oral on règle, l'oral on igouase ou bon matinette ou calentimoun qu'on calèle. Gagne bagay ou capable dit propre petit tout, son bagay capable grave qui atteint timoun dans l'estime de soi li et qui capable atteint timoun dans développement. Donc c'est très important tout parent yo, c'est-à-dire que pour faire attention à ça. C'est surtout très important tout pour par exemple, yo pas utiliser par exemple même les deux moun yo pas ensemble, papa maman pas ensemble que maman pas utiliser papa comme un jouement pour petite là et papa pas utiliser maman non plus. Comme un jouement pour petite là. Moi, je crois que c'est très important. Je voulais juste dire, comme des gars disent, professeur, un monde qui était supposé bon conseil, un monde qui était supposé fort quoi dans la tête, il était dit, ou pas jamais rien en vue. Et puis, je voulais dire, vous arrivez député dans le gros pays, ça, dans le Canada. Il y a un jeune là, je voulais dire, il stocke peut-être maman, papa, Zamil, frère, un professeur, il était dit, pas jamais rien, il était dans la tête. Et puis il dit, oh, yo lave même, tout ça me fait pas marcher parce que yo dit, m'pap j'aime rien. M'dan m'ont inspiré pour faire connaître que ça yo dit pour pas arrêter la dan député. M'kwa que yon nan bagay que m'toujou dit, nan plusieurs fois m'intervenu, soit comme conférencier ou bien comme mentor auprès de groupe jeune. Yon nan bagay m'toujou rappelé yo, première étape, ça dit que dans la vie, souvle, ou chaque moun gon place dans la vie. Et place pour là, pas aucun moun ki kabral. C'est ou même qui vous prend place ou place ou carré de vide sous décider pas prendre place ou mais sous gon place chaque monde gon place et place ça c'est au même qui vous prendre manière pour prendre place ou première étape c'est qui projet ou qui sont veut faire de la vie ou qui sont veut faire de l'avenir c'est qui vision ou. Et une fois qu'on gon rêve ou gon vision gon bagaille qu'on veut réaliser deuxième étape là c'est assurer ou que ou bien entouré ou bien encadré pour entourer et entourage là c'est famille. Ses amis. Moi, j'ai rencontré trop souvent des fois des jeunes qui, des fois, de bonne volonté, qui ont ambition, qui ont rêve, mais parce qu'ils sont mal entourés. Malheureusement, rêve ça, on est des cauchemars. Rêve ça, on est des cauchemars. Moi, j'ai rencontré tous des jeunes qui, des fois, ont peu de rêve, ont peu de vision, mais parce qu'ils ont une chance dans la vie, rencontrer des gens sous route, que la vie, que destin, mais que bon Dieu mettait sous route, fait que jeunes ça, qui permettent moun sa yo, yo utilise moun sa comme tremplin, comme trampoline si vous voulez, puis au point élan dans la vie. Yo. Donc quoi que c'est très important dans ce sens ça pour me rappeler chaque moun que au bon rêve, au bon place pour au prend. Et place ça, c'est place yo lié, pas gen moun qui prend place l'autre monde. Chaque moun prend place yo. Boss Benz rivé débarqué dans Montréal, il prend place li. Il pas prend place l'autre monde. Il prend place li parce que il rive avec ambition, avec rêve li, avec compétence li, avec savoir-faire et savoir-être li. Et dans ce sens-là, si on me rappelle que chaque monde est placé, ça t'a dû empêcher, par exemple, des sentiments négatifs, jalousie, tant qu'envie, tant que jalousie et habiter monde. Je crois que chaque monde doit être content lorsque un frère ou une soeur réussit. Je dis à pour moi, chaque fois que je raconte un jeune haïtien, chaque fois mon jeune noir qui réussit, qui prend place li, dans différents domaines. Dans le domaine des affaires, dans le domaine des communications, dans le domaine de la politique, du culturel, pour moi, c'est une fierté liée. Parce que succès en haïtien, c'est succès tout haïtien. Tout comme échec en haïtien, il doit échec tout haïtien. Tout. Yo étoile, pas jamais empêcher l'autre étoile briller. Et la liberté, ça se donne pas, ça se prend. Nous allons prendre l'autre pause dans l'émission, l'entourner, nous allons parler de coronavirus. Mesdames et messieurs, nous allons vite brancher, nous allons tourner. De retour après la pause, mesdames et messieurs, comme vous pouvez constater, moi là, je vous dis là, moi dans
Collabo Studio, maintenant AK Ego Studio, qui dans Orlando, et pas bien que gen CMS Multiservice, yo même tout, yo tout mette tout ensemble pour yo font collaboration, pour yo même, pour yo by communauté ça, yo l'autre image. Je ne j'ose dire, moi, avec mon député France Benjamin, qui c'est modèle jeunesse là. Député, nous parlons qui t'en aller, mais nous parlons qui t'en aller pour ne pas parler du coronavirus, même si on a commencé à te dire que, et normalement, bah, yo pas facile, parce que l'année a pas de facile. Député, comment t'es passé l'année à même, bon, au début corona jusqu'à maintenant? Mais son année très difficile pour tout élu, très difficile pour surtout toute communauté. Parce que on ne commençait pas à dire que dans la communauté panou, dans la communauté haïtienne, il y a un pile haïtien, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, qui mourit de coronavirus. Il y a un pile haïtien qui atteint tout. Et raison multiple. Mais il y a une raison qui fait un pile haïtien atteint, qu'on a songé, une grande présence du personnel de la santé qui est issu de la communauté haïtienne, que ce soit comme infirmière, comme préposé aux bénéficiaires, comme surveillant à l'hôpital, etc., comme préposé à l'entretien. Et l'autre raison hein, qui fait ça tout, qui explique ça tout, c'est parce que, justement, dans la communauté panouan, il y a une prévalence, on sait, de maladies tout. On sait, de maladies chroniques. On pense à anémie falciforme, par exemple, on pense à diabète, on pense à la question obésité, par exemple, qui sont en jeu. Et il a démontré, par exemple, sous regard de plusieurs villes, tant qu'aux États-Unis, par exemple, les Afro-Américains ont été très touchés. Et on a raison qui expliquait que les Afro-Américains ont été touchés en pile, c'est que prévalence question obésité quand dans la communauté afro-américaine, non, avec une série de maladies chroniques. Jodia, comme député de la circonscription de Vio, c'est une circonscription au Québec qui est frappée par la pandémie. Hein, et nous passons presque toute année à soutenir la question prévention des citoyens, notamment en donnant des masques aux gens, pour des couvre-visages pour protéger eux. Nous accompagnons tout plusieurs petites entreprises de notre circonscription en offrant des trousses sanitaires, c'est-à-dire que c'est des dizaines de masques que nous baillons avec des désinfectants pour remettre à clientèle, yo, parce que c'est un enjeu. Les petits commerces ouvrés, on petit dépanneur, on petit magasin, côté surface à tout petit. Donc, déplacement mon compliqué pour garder 2 mètres de distance là. Nous accompagnons pile monde tout dans le soutien alimentaire parce que grand pile monde qui perd du travail, yo, grand pile monde qui tombe dans le chômage. Donc, à travers les organismes communautaires, nous débloquer quelques budgets pour permettre, par exemple, yo offrir mon yo des paniers alimentaires puisque les besoins paniers alimentaires par semaine ont triplé dans ma circonscription. Donc, alors, on est encore là-dedans, nous encore dans la sensibilisation. Nous encore en prévention, comme nous connaissons à partir de demain, donc n'a pas entré en couvre-feu, donc ici au Québec. Donc couvre-feu, là, c'est pas le moment. Ok, oui. Est-ce que tu as dit là parce que. Ok, oui, madame, vous nous excusez, oui, excusez à cause de. Nous connaissons qu'à cause de coronavirus, ça n'a pas parlé là, exemple, là, ça veut dire que nous pas qu'à entrer dans le studio, mais il faut me dire que grâce à ICI Télévision, c'est Mikam, grâce à Paul, avec tout technicien, il y a eu bonne chance pour nous rentrer en contact pendant que nous avons protégé tête. Nous, c'est exemple, on a un bail, où un député a lui-même lié un côté, et puis Boss Benson, l'autre côté, et voilà pourquoi même pour prendre un modèle, ça prend exemple, ça, habitant de toute sa autorité au DIA. Député, par contre, si vous toujours là, oui, vous pouvez continuer. Tout, oui, absolument. Donc, alors, Jodia, nous allons entrer dans le couvre-feu à partir de demain soir. Donc, c'est quand même un moment important parce que il y a une bagaille que nous rendons compte, c'est que taux de positivité n'a pas réussi à diminuer. Au contraire, il y a encore en augmentation, particulièrement dans la région de Montréal, parce surtout avec la question fête de fin d'année. Donc, il y a une bagaille qui m'a rappelé Mounio encore. Maladie, ça, COVID-19, là, il tue Moun. C'est vrai, elle tue plus grand monde, mais elle tue jeune monde tout. Il y a un jeune haïtien, par exemple, qui a 25 ans qui mourit de coronavirus ici à Montréal. Donc, on a encore demandé de prendre toutes les précautions. Ces précautions pour nous prendre, c'est les 2 mètres de distance, c'est laver les mains le plus que possible, et aussi, les nap tousser, nous tousser dans le pli du coude. Si nous sortons dans la rue, si nous prenons retrouver dans notre espace, c'est poter, et on couvre le visage ou bien on masque. Nous croyons que c'est très, très important pour nous prendre précaution. Ça, parce que là, nous prenons, nous protéger tête, nous, mais nous protéger mon autour de nous tout. Parce que grand pile monde qui est positif, qui n'est pas même condition positif, c'est ça, les asymptomatiques. Parce que c'est des gens qui contactent COVID-19 là, sans aucun symptôme. C'est-à-dire, pas la fièvre, pas tout ça, rien du tout. Mais moun ça, c'est probablement eux-mêmes qui sont capables de faire plus de dégâts autour de eux, parce que par contre, que ont donc, d'où l'importance, très, très important, que chaque monde
yon protéger l'autre dans sens ça. Si un citoyen t'a vraiment entré en contact avec bureau député Franz Benjamin, qui ça pour le faire? Ben alors pour monde dans circonscription Vio, monde qui dans quartier Saint-Michel, donc numéro de téléphone bureau circonscription c'est 514-728-2474. Mais ou capable aller sur site Assemblée nationale tout Assemblée nationale du Québec, gain adresse courriel moi, yo capable voir un courriel dans bureau et j'ai une équipe extraordinaire, donc son équipe extraordinaire qui là pour le servir moun yo, donc pour le servir moun circonscription. C'est sûr que soit habité au Québec, c'est député yon circonscription, donc gain 124 circonscriptions au Québec. Donc m'pa ka servi tout moun au Québec, c'est ça qui fait gain 125 députés. Donc, soit habiter Laval, par exemple, dans la région Laval, par exemple, seulement, il y a au moins 4 à 5 députés. Donc, ma tando, mais ma référé vers député Paula, qui pour servir, parce que c'est chaque député pour servir citoyen. Mais de toute façon, nous là pour aider tout le monde. Merci, député. Et sous ta dernier message, qui ça le tapier? Mais ma commencer par dire merci beaucoup, mon frère. Et félicitations pour ton travail. M'a souhaité tout le monde qui a attendu l'émission ça aujourd'hui, m'a souhaité une bonne année. Il y a un proverbe haïtien qui dit c'est mettre coq veiko, notamment par rapport avec COVID-19 là. Donc c'est mettre coq veiko, protéger tête nous s'il vous plaît, parce que 2021 pas doué passer, nous espérer ça, même genre avec 2020 est fini. Donc merci encore Boss Benz, merci à toute l'équipe d'ici télévision et puis bonne année aussi à toute l'équipe d'ici télévision. Je souhaite à ces personnes-là qui travaillent pour nous offrir une télévision de qualité, une bonne année, en santé, pour eux et pour leurs proches aussi. À bientôt. Merci, député. Nous sommes avec nous, député Franz Benjamin, depuis en direct de Montréal, et nous disons grand merci à toute l'équipe ICI Télévision. Mr. Paul, bonne année encore. Et je souhaite que Paul ou prend soin de tout. Stay safe, parce que nous avons besoin plus Paul dans la communauté. Nous disons merci avec tout l'autre monsieur, tous nos IO. Merci pour tout bagaille nous fait pour Boss Benz. And thank you. M'a dit merci en pile parce que les bagailles pas de bon. M'a jamais oublié ça. Le nos hyper, il m'avait dit Boss Benz, hey, regarde, quand tu vois les gens essaient de te rabaisser, il faut pas lâcher prise. Et j'avais pleuré. Mr. Sam était là et aujourd'hui, regarde-moi. Vin pi frais, pi rouillé, pi coupé. Rete branché, n'a pas tourné. Qui écoutent, puis qui voudraient se lancer, puis qui se posent des questions. C'est correct de te poser des questions. Je ne suis pas la femme qui va vous dire « lancez-vous les deux yeux fermés ». Prenez le temps, étudiez le marché, arrivez à quelque chose, avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà quand même, mais amenez une petite différence. Arrivez avec quelque chose qui va aller chercher, aller capter l'intérêt des gens. Puis, commencez tranquillement. Lâchez pas votre 9 à 5, s'il vous plaît, de grâce. Si vous voulez le faire, mais soyez conscient des conséquences que ça va amener. Le stress de comment je vais payer mon hypothèque, parce que
ça fait 3 mois que je suis en entreprise puis j'ai pas assez de profit pour m'en sortir. Donc allez-y petit à petit, c'est correct, vous n'êtes pas obligé de vous lancer puis d'éclater en 24 heures. Étape par étape, moi j'ai commencé mon entreprise avec 300 $, fait que... Wow. Voilà. Modèle de détermination. Puis me dirais-tu, penses-tu que avoir un mentor quand on se lance en affaires est un indispensable? Ça aide beaucoup. Moi j'en ai pas eu. Et te voilà, mais ça aide beaucoup. Ça aide. Quand, quand on trouve quelqu'un qui nous guide, qui nous donne des petits conseils, des fois ces conseils-là sont très, très, très précieux. Ça peut vous sauver plusieurs centaines de dollars. Quelqu'un qui va vous dire, allez pas là, j'ai déjà été là, ça n'a pas fonctionné. Okay. Je joue ce rôle-là un petit peu, directement ou indirectement, auprès de quelques personnes. Je ne dis pas que le mentor va faire toute la job à votre place, mais ça aide un petit peu. Ok, c'est parfait. Ben, merci beaucoup, Gina. On a été heureuses encore une fois que tu aies pris le temps dans ton horaire chargé de mère, et d'entrepreneur, pour être dans notre chronique. On apprécie beaucoup. Bienvenue, filles. Félicitations pour votre show. Je suis fière de vous. Merci. Maintenant, c'est l'heure de la petite capsule Conseil beauté avec Gina. Maintenant, pour la petite capsule beauté avec Gina. Aujourd'hui, on porte fièrement les rouges à lèvres de Nadji Cosmétiques. Et elle va nous parler des produits qu'elle a utilisés pour avoir ce beau look. Alors, moi, je pense qu'un beau maquillage commence toujours avec une belle peau. Donc, on a aussi une gamme de soins qui nous permet de prendre soin de notre peau. C'est une gamme complète qui contient un nettoyant, un hydratant, un exfoliant, un masque. Alors, j'utilise ces produits-là pour prendre soin de ma peau au quotidien. Et ensuite de ça, je vais directement avec mon fond de teint. Mon fond de teint pour ce look, haute définition. J'ai choisi la haute définition parce que, justement, c'est un fond de teint de couvrance complète. Donc, ça cache vraiment toutes les imperfections. Et c'est d'ailleurs notre produit chouchou de la gamme. Oh, est-ce que c'est un produit longue tenue? Oui, c'est très longue tenue. J'ai même fait l'expérience de porter ce fond de teint-là, puis d'aller m'entraîner avec. Et à la fin, c'est resté. Oh, j'ai une vidéo bon. Là-dessus. C'est bon à savoir. Et pour ta crème hydratante, est-ce qu'on peut l'utiliser le matin comme le soir? Oui, c'est une crème qu'on peut utiliser le jour ou le soir. Ensuite de ça, j'ai été avec mon bâton de beauté. C'est un bâton multi-usage qui peut être utilisé en tant que cacherne, highlight, contour. Aujourd'hui, je l'ai utilisé en tant que highlight. Donc, en dessous de mes yeux, j'ai fait une zone de lumière. Et c'est celui-là que j'ai utilisé. Donc, c'est un cacherne, un highlight et contour, un contour aussi. Et aussi un fond de teint. Donc, c'est un multi-usage. Multi-usage, oui. Donc, on pourrait l'avoir sans... Exactement, j'aurais pu l'utiliser. Donc, si jamais une fille veut l'utiliser comme highlight, elle va acheter une couleur plus pâle. Oui. Et celui de fond de teint, ça va être la couleur de sa peau. Et celui qu'elle veut utiliser comme contour, ça va être le bâton le plus foncé. Okay. Donc, dans le fond, ça vous en prendrait trois pour faire les trois types de différentes choses que vous voulez faire avec. Ensuite de ça, j'ai utilisé aussi un trio de cacherne qui a trois couleurs différentes. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé la couleur la plus pâle pour aller faire en dessous de mes sourcils. Donc, j'ai utilisé ça pour tracer et donner de la définition à mes sourcils. Pour mes yeux, j'ai été vraiment simple. J'aime ça, la simplicité. Pour le creux de mon œil, j'ai utilisé l'ombre à paupières Brick House. Et pour ma paupière mobile, j'ai utilisé un chocolat foncé qui s'appelle Savannah. Et c'est vraiment deux couleurs. Moi, je suis pour la simplicité dans le maquillage. Facile à refaire. Un look qui est facile à refaire.
C'est vraiment, ton maquillage des yeux est vraiment joli et puis c'est très simple. Très simple, facile oui. à refaire dans le fond. Puis donc ça, tu l'appliques avec des pinceaux? Oui, on a aussi une gamme de pinceaux et c'est ça que j'utilise pour appliquer mes produits dans le fond. Ensuite de ça, pour setter le tout, pour sceller le tout, j'ai été avec ma poudre translucide Apricot. C'est une poudre qui va vraiment venir sceller le produit ou les fonds de teint ou les cachets dans mon visage. Donc vraiment toute une gamme complète. Tu as les soins pour la peau, tu as le maquillage, les pinceaux, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment une gamme c'est complet avec tous les accessoires aussi. Par contre, je vois que tu n'as pas mis de primer, mais j'imagine c'est parce que ton fond de teint est de très longue tenue et puis c'est une couvrance parfaite, c'est pour ça que tu as sauté cette étape? Non, c'est des fois j'oublie ou ça me tente tout simplement pas. C'est pas parce que... Mais oui, on a un primer, aujourd'hui je l'ai pas mis, tout simplement. Okay, et c'est pas la fin du monde, guys. Non. Mais j'en ai un pour ceux qui aiment porter un primer. Okay. Ensuite de ça, j'ai été avec un fard à joues très, très léger, très subtil. Oui, très délicat. Pour mes joues. Et ça s'appelle Plum Princess. Et mon produit chouchou, ma couleur préférée. Et ça te va bien. Je pense que littéralement, j'aurais dû l'appeler Gina. C'est le rouge à lèvres rouge, Betty Boo. C'est ce que je porte présentement. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Et voilà, ce qui a complété mon look d'aujourd'hui. Un beau look. Un beau look tout simple, mais avec le rouge à lèvres oui. rouge. Rouge mat, ça vient... Vous avez complété le tout. Bien, merci Gina pour cette petite capsule. Bienvenue les filles. Tous les produits sont disponibles chez Jean Coutu. Et aussi en ligne. Donc et pour avoir les adresses, il faut aller sur notre site web. Toutes les adresses sont là. Et ceux qui ne veulent pas se déplacer, bien sûr, peuvent aussi magasiner en ligne. Parfait. Merci beaucoup. Merci Gina. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous te contentons le jour pour nous rentrer à la caillou, pour nous présenter une émission ça. Nous disons merci à chaque monde qui te prend temps pour nous attendre. Inspiration, député Franz Benjamin lui-même, il était porté pour nous. Ou même qui maman, ou même qui papa, si ce pas après baisser petit tout, si ce pas après baisser petit tout, a dit le pape Benjamin rien. Je ne veux dire on est avec et député Franz Benjamin. Si l'itéré était stocké, les professeurs ont dit pas jamais rien, il pas jamais député qu'on a qui fierté haïtien dans tout pays Canada. N'a pas merci à l'équipe ici télévision Paul, merci beaucoup. Merci à Mika, merci avec tout monsieur Sayo qui met ensemble pour te rendre émission ça possible. N'a pas merci à Collabo Studio qui dans Orlando, n'a pas merci aussi à AK Ego Studio qui dans Orlando et n'a pas dit ma félicitation avec quatre jeunes garçons Sayo, quatre moun Sayo, quatre tête pensante ça qui met ensemble c'est ça ici besoin nous besoin des monde qui met tête ensemble pour dire l'union fait la force. N'a pas remercier aussi avec CMS Multiservice pas oublier dans 68 et 85 dans West Colonial Drive dans Orlando. Si toutefois tu as besoin de plus d'informations ou même qui là tu as besoin de faire photo shoot tout temps ou d'être sur l'autre bagaille ou carré les connait dans 407 et 800 600 601 40 40 08 pour entrer en contact avec vous. Merci d'être de bonne chance pour nous rentrer la caillou pour nous présenter l'émission. Non pas M. Jean-Michel Benz, Boss Benz. Allez, bonne semaine. Jésus vivant.